Et bonjour à tous mes chers enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas lu. Merde, continuez. Je suis extrêmement enrhumé, hein, comme d'habitude. Vous êtes habitués sur cette chaîne. Attends, toi, tu t'en vas. Parce que toi, tu m'énerves déjà. Et bienvenue pour la suite de Dark Souls 3. De Dark Souls 1, pardon, Remastered. Dans le dernier épisode, nous affrontions une gargouille Cassevern. Je vais quand même remettre mon. Est-ce que je mets une tenue d'enculé ou pas? Attends, y a pas. Ah merde, ce menu, je m'y ferai jamais. Oh mais connard! Alors. Oh, lui il est bien meilleur. Ouais, non, je suis un gros lard. Ah non, non, on va clairement pas s'habiller comme ça. On va clairement pas s'habiller du tout. Hein. On va peut-être remettre notre petite armure en cuir. Pourquoi je suis lent du cul, putain, c'est fou ça. Alors, dans le dernier épisode, nous avons ragé et échoué à notre grande quête, que fut de tuer les deux gargouilles. Nous allons persévérer et tuer ces deux gargouilles. Hein. Cette épée avec une espèce de saphir gravé et des reflets bleus en pagaille et qui n'ont rien à foutre là. Coucou. Voilà. Alors je vois qu'il y a des items là. Bon, bien sûr, je pense pas que je puisse les récupérer maintenant. Alors, humanité requise. Merde, je me suis trompé. Putain. La queue. La cam a fait un peu n'importe quoi. Tu m'as pas touché? La deuxième est là. Putain, fils de pute! Ta mère est une sale pute, hein, tu le sais ça. Hein? Ah oui, tu le sais. Vu que t'es la plus belle des putes. Non, 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 non! Oh putain! Faudrait que j'en isole une. Ouais, toi, viens là. Non, non, non!
Non, je suis mort. Je me suis fait cramer le cul, quoi. C'est vrai que... Alors, il m'a dit humanité requise, bon. Regardons l'inventaire. Et lisons tous les trucs. Pour gagner une humanité et récupérer beaucoup de PV. Donc ça, on va l'intégrer dans notre truc. Où est mon humanité? Elle est là. Par contre, on va juste déplacer ça et foutre ça. Non, passe de retour là, de retour là et truc de caca. Ici. Putain, ça me gratte le nez. Bon, est-ce que je fais bien de partir sans équipe, sans armes, sans truc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Jamais être mobile. Surtout avec un boss comme ça. Est-ce que je fous mon... On va se mettre un petit truc comme ça. Bon, je pense que si je fous un casque en plus, c'est pas, je vais pas être lourd. Poids, c'est où le poids? C'est toi le plus. C'est pas grave. J'ai dit que c'était pas grave. Ah! Que le connard est arrivé.
Comment on peut... J'imagine que je suis au bord de la map là, non? Non? Si. Il faut me barrer, il faut que je sorte de là. Sors, 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 sors. Putain, la hitbox. Ah, oh, la hitbox de merde. Putain, on a vraiment un camion Ben, hein. Quand je dis que c'est une grosse, hein. Putain. J'ai encore oublié de foutre mes armes électriques. Putain, on va faire ça là. Même si une gargouille, non, ça fait de pierre et bon. Mais bon, on n'est pas dans Pokémon. Donc j'imagine qu'il n'y a pas de type précis. On est que 3. Voilà. Voilà, que ça sert à rien. Regardez-moi ce gros putain de fils de pute. Ta mère était une pute. Et elle est toujours. Oh oui, oh oui, oh oui. Merde, oh non. Tu m'auras pas. Oui! Oh, c'était trop facile, putain! Il fallait juste foutre de l'électricité! Oh, oui, oui, le type vol est faible face au type. Oh, regardez-moi, l'armée des bords là-bas. Oh, putain! Nul ne peut vaincre Gisèle, je sais plus comment je l'appelais. 10 000! 10 000! Oh, putain! Oh, putain! Oh putain, vous imaginez pas à quel point là je suis ravi. Oh putain, en plus c'est pour ça que je me disais, je fais pas assez de dégâts. Ça fait plusieurs tours que je me dis, faut que j'utilise le truc électrique quand même. Et non, j'étais con. En fait c'est ça, il est super simple à battre. Putain, et c'est ça le truc dans Dark Souls, c'est que vraiment tous les boss sont simples à battre. Je voulais lire le truc. Ça veut dire qu'il y a un danger. Attends. Changer. Lire message. Essayer saut. Non. Voilà, une sur deux. Alors, j'aurais dû préparer mon os de retour au cas où s'il y a une bête qui me saute dessus. Mais non, ça serait pas le cas. Franchement, je m'attendais à une troisième gargouille. Hein. Parce que les dégâts électriques, ça fait super mal.
Donc j'imagine que pour le papillon, ce sera des dégâts de feu. Alors, on va retourner, on va utiliser notre trousse de retour. Parce que c'est trop dangereux d'avancer comme ça, il y a trop de ghouls qui m'attendent. On va level. Alors, niveau supérieur, on va foutre de. Alors, est-ce que c'est de la dextérité? Attends. Explication. J'ai envie de. Ok. Alors, détermine le nombre d'emplacements de sorts. Détermine endurance, poids. Et... Ok, donc c'est vraiment endurance. Donc, moi, je peux me foutre que 2 points. Bon, bah, on va foutre 2 points d'endurance alors. J'ai l'impression d'être plus rapide. Why, what a surprise. Oh, somebody rang the bell. Wait, you never give up, do you? I don't know how you well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Ok. On a donc fait sonner la cloche qui était là-bas. Il me reste moult choses à explorer, dont une que l'on va faire tout de suite et que vous avez sûrement dû rager devant votre écran. Je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai pas vu ça tout à l'heure. Si? Si. Ah, raté. Bah, merci de te montrer ton dos. Tu es fort sympathique, l'ami. Voilà, lui, il s'est cassé la gueule par terre. Mais il y avait un étage sur l'un des feux et je l'ai pas vu parce que je suis très con. Ouais, on va aller juste vite fait au feu que j'ai. Auquel j'ai raté l'étage et on va directement revenir sur nos pas. Bâtard. Peur du poteau. Oh bah mec, waouh, une sauterelle quoi. Ah bah non, y'a... Ah elle est là-haut l'échelle, merde. Alors c'est ma faute. Il faut donc... Comment on fait pour aller... Ici même. Il y a un pont. On va essayer de d'aller jusque. Ah, je me souviens qu'il y avait un truc que j'avais fait et que j'avais pas fait au final. Parce que là, clairement, il y a des trucs à explorer, donc... Ouais, ça, je l'ai fait, pardon.
je veux que tu sautes, tu sauteras pas. Hein. Voilà, qui peut pas passer. Ok. Ton loot, enculé, rends-moi-le. De ce que je vois, ça ne sert à rien d'être là. Comment je peux faire pour aller là-haut? Surtout, comment je fais pour aller en bas? D'accord. Alors maintenant, on pourrait. Là, il y a ça, là. Impossible. À moins que j'y arrive par les profonds. On peut sauter là. Oh, ok. Par contre là, je vais d'abord dépenser mes âmes et après on va sauter. Niveau supérieur prochain. 4000. Ce magnifique décor en arrière-plan. Oh, fils de pute. J'y étais presque, hein. J'ai juste glissé sur le côté, quoi. Genre, mais un pixel. Bon, c'est pas grave, on est à côté. Hein. Et nos âmes sont ici même. Oh. Oh mais non merde, ma roulade elle a pas marché. Ah vas-y! Oh j'étais dessus là! Attends. Je vais y arriver, hein. Il faut persévérer. C'est peut-être pas le bon chemin, mais bon. Enfin, ça m'est. Je sais pas, c'est bizarre quand même. On va pas me laisser la possibilité de sauter dans un coin si c'est pas pour aller dans le coin.
Voilà, c'est bon, j'y suis. Ah, mais merde, c'est là! Ok, bon, toi. Essayez saut, oui. Bah... Essayez saut. Mais comment tu veux sauter? C'est super loin, il y a au moins 4 mètres. Bon, alors c'est pas là. Comment je fais pour aller là? Alors où est-ce que je peux aller? Je peux aller sur ce toit là, mais est-ce qu'on peut aller sur le toit? Est-ce que c'est prévu par le jeu qu'on aille sur le toit? Non, on glisse systématiquement, donc c'est pas fait pour ça. Donc c'est pas là qu'il faut aller. Alors, comment on peut faire pour monter là-haut? Forcément. Ah, mais je sais ce que c'est, putain, c'est le pont du dragon. Le problème, c'est que. Comment tu veux que je passe ce dragon? Bon, ben, on va y aller, hein. M'a touché le bâtard. Pas la peine. On a fait n'importe quoi. Allez, viens là, viens prendre ta fessée. Ok, on vient tous de voir ce qu'il vient de faire là, non? Le mec, c'est plus qu'un criquet à ce rythme-là, hein? Ok, c'est pas du tout la cible que je visais, mais c'est par là. Avec quoi là déjà? Un passage ici, ouais, c'est vrai. Alors, prenons de la hauteur, regardons. Ça n'a pas l'air d'être là où il y a le dragon, hein. Surtout que le dragon, il est plutôt par là-bas. Hein. Marchand requis. D'accord.
On a pas l'air de pouvoir monter dans la tour. Oh, j'ai une clé, putain. Je suis con ou quoi? Ouais, le sound design. Ouais, là je suis en bas. Attention, attaque dans le dos droit devant. D'accord. J'attends un mec assez balèze. Ok. Là on a ouvert la porte de là. Ok, d'accord, c'est nickel. Attaque dans le dos. Ok. Alors là, nous sommes donc dans le dans la ville. Ok. Dans des squelettes de feu, il y en a beaucoup là. Oh merde. Merci la caméra d'avoir fait de la merde. Ok. Ténèbres droit devant. Humanité jumelle. Faudra qu'on pense aussi à monter nos armes. Oh, attends, est-ce que... Mon perso est pas en train de devenir un peu plus joli. J'ai pas l'impression en fait. Non. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a ici? Essayez attaque. Ok, d'accord. Que préparez-vous? Essayer attaque. Je peux réussir en fait toute la vie, je sais pas pourquoi. J'ai quand même pas tombé sur une porte qui avait de la vie. Faut arrêter. Oh.
Embuscade. Oh, il va... Oh! Oh putain. Oh non putain, ok d'accord, quand il est dans une certaine pose, faut pas le toucher. Ah, celle-là faut pas le toucher. Y a rien. Brise armure. Qu'est-ce que la brise armure? Plus légère. Je fais du combien moi? 80 plus 25. Ça fait de la merde, hein. Attends, mais... que c'est juste une rapière en fait. Ouah, la ragdoll elle est magnifique. Allez, viens là, viens là, viens là, je vais t'enculer par le dos. Toujours pas tué l'autre connard. Mon bouclier, merde! Ah, ce jeu de pute. Attends. Ouais. Ça j'enregistre. Oui. Ça je juge pas, j'ai eu un doute. Ok, il y avait rien. Boss, ça va? Alors, masque du voleur. Ok, alors ça. Oh, attends. Là, il y a des items très bons. Oh, bah, elle est où ma bague? Ah non, c'était. C'est quoi? C'était pas une bague que j'avais ramassée? Je suis sûr que c'était une bague.
pas une arme. Ah si. Ah c'est un bouclier. Petit bouclier de métal rond spécialisé pour les parades. Quatre protubérances permettent appareil servir à la grille d'attaque. Petit bouclier sont toujours moins stables, mais ils sont plus difficiles à réaliser. Ok, d'accord, je m'en fous. Là, si je fous petit masque de voleur. C'est laquelle que j'ai ramassée, celle-là, non? Oui. En cuir noir. Botte en cuir noir. J'ai l'impression d'être un peu plus légère. Lisons la description, peut-être qu'il y a des trucs spéciaux sur ça. Alors, masque de pêcheur. Ils camouflent leur visage, leur voix. Là, ce n'est pas très ok. Ok, bon. Ok, bon, c'est juste une description d'un item. Alors, par contre, là, ici, on va prendre la lance. Bon, déjà, chevalier requis. Moi, j'ai 3000 âmes. Bah, il faut 4000 âmes pour monter le niveau, donc j'espère que là. Un mec est mort. Oh, il y a un escalier. Bah, attends, on va prendre l'escalier d'abord. Peut-être que. Oui, je me doutais bien qu'il y avait un connard ici. Allez, désactive ton anime. Ah, deck de bandit, c'est bien ça. Putain, une grande zone comme ça fait flipper. Clé requise. Âme de mort-vivant perdu. Ça, préparez-vous. Marchand droit devant. Alors, ok. Alors, qu'est-ce que tu vends, toi? Waouh! Tourte à la bouse. Que je t'indique la hauteur. Oh, attends. Oh, combien tu veux d'âme? Ah ok, c'est marqué à côté. 100. On va prendre 20.
Ah là non, j'arrive. Ici. Et ici c'est ça. Ok. Donc on va aller dans cette zone inconnue. Est-ce que c'est un boss? Est-ce que ce n'est pas... Ok, alors on peut pas passer le niveau. Oh, il manque pas beaucoup, donc là je vais le farmer ici. Hein, comme ça, on va pas se prendre la tête, on va pas perdre nos levels, ça serait con. Bon, voilà. Alors, se foutre un peu de vie. Je suis dans ton dos. Fils de pute. Ton petit cul. Oh, hache de guerre. Peut-être que j'en ai déjà eu une, je sais plus. Bien sûr qu'on peut passer là. Mais je suis con quoi, je suis déjà passé ici. Ok, bon, ça va pas être très utile, mais
c'est pas grave. Voilà. Oh, collant de cou. Oh. Est-ce que ces petits collants vont aller un peu mieux? Ils sont plus légers. Ok, bon. Quoi? Putain, les deux clébards de merde. Chevalier requis, bon. Je sais pas ce que c'est. Démon. Ah, oh, bâtard de clébard, putain. Bon. Armure de maille. Snap. Alors, reprenons. Le mieux.
ferait, c'est de faire ça. Bah, il est où? Ah oui. On va y aller lentement. Oh, il est pas mort. Bonjour les chiens. Ok. Je vais pas utiliser de l'électricité pour le moment. C'est quelque chose qui est... J'en ai plus que deux. Hein. Donc je vais plutôt apprendre ces patterns en premier lieu. Ok, merci. Pas merci. Oh les lightbox de merde et cette cam elle est infâme. Qu'est-ce que tu fais là? Mais putain mais esquive. Putain, il m'a bloqué dans un coin, ce fils de pute de clébard de merde. Putain. Oh, ce fils de chien et cette connasse là qui tape dans le mur, quoi. Ah, ta mère, la pute, toi. Bon, il a pas l'air très dur, c'est la même technique que pour l'autre connard. Peut-être que je devrais peut-être pas me préoccuper des chiens. Voilà, le backstab qui n'a pas fonctionné. Que je devrais lui sauter dans la gueule et m'occuper des chiens après. On essaiera de faire un truc comme ça. Calmez-vous, monsieur.
Putain de chien de merde. Oui, allô? J'arrive, j'arrive. J'arrive. Ah. Ah oui, je suis, je suis. Voilà, bon. Petit le livreur. Ah, c'est oui, c'est mon extincteur que j'attends. Foi! Bon, un combat hautement compliqué. Hein, dans la mesure où je devais pas toucher la manette et je m'en suis sorti, je sais pas comment. Allez, viens là, connard. Arrête de me jeter tes petits couteaux là. Tu t'es cru. Oh! T'es pas un hachichi, toi, malgré ta casquette, hein? Alors, bah du coup, ça fait 1 heure. On va se quitter là parce que bon, vous comprenez que j'attends un colis et il faut que j'attende. Je peux pas faire le boss maintenant. C'est dommage, j'aurais bien voulu faire une vidéo un peu plus longue, mais c'est pas grave. Bah sur ce, on se retrouve à plus dans le Superbus. Et moi, je reprends bien sûr juste après pour fumer ce boss.